Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, il existe plus de 86 seigneurs dans le monde de Total War Warhammer. Alors, je dis 86, c'est les campagnes qui sont disponibles. En plus, vous avez les Unlockers qui vous en déverrouillent pratiquement 200 de plus. Et vous avez également des seigneurs cachés que vous pouvez récupérer. Et lorsque vous montez un seigneur, eh bien, vous pouvez lui donner jusqu'à un maximum de 30 traits différents. Vous êtes limité, hein. Vous ne pouvez pas avoir plus de 30 traits sur un seigneur. Alors certains traits sont pratiquement impossibles à éviter, notamment les traits avec vos seigneurs principaux qui font qu'ils gagnent du commandement lorsqu'ils sont en attaque ou lorsqu'ils sont en défense. Des traits qui vont s'activer parce que vous avez été présent dans une région au moment de la construction de bâtiments, donc ils vont réduire le coût des bâtiments, etc. etc. Et ces 30 traits, en fait, bien, ce serait quand même pas trop mal de pouvoir les manager, de retirer ceux dont on n'a pas envie, et ça, c'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, je vais vous donner 7 seigneurs qui, lorsque vous les affrontez, vous donnent des traits qui sont vraiment, vraiment pas terribles. Et en fait, ces seigneurs, si vous en avez l'occasion, affrontez-les avec des seigneurs secondaires pour ne pas prendre leurs traits et ne pas gâcher ainsi potentiellement un de vos 30 emplacements de traits avec quelque chose qui va être relativement inutile, voire absolument totalement inutile pour vous. Premier personnage dans notre liste, nous avons le suprême patriarche Costaltine. Alors lui, ce qu'il donne, c'est pas forcément si mauvais que ça, mais en fait ce sont les conditions qui font que les bonus que vous acquérez en battant Costaltine sont plutôt moyens. La première, c'est qu'il faut que vous soyez sur votre propre territoire pour gagner un plus 6 de morale pour votre armée. Alors, c'est pas mal de gagner plus 6 de morale pour son armée, mais si c'est pour être sur son territoire, alors que le jeu nous incite quand même à conquérir, pour faire une campagne courte, en moyenne 30 colonies chez l'adversaire, c'est un bonus qui va pas beaucoup nous servir, hein, même si on arrive à abattre Costaltine, à moins que l'on garde cette armée-là en défense, un bonus qui ne servira jamais à rien. Et le deuxième point, c'est qu'il va donner les attaques enflammées au seigneur qu'il l'a battu. Et les attaques enflammées, c'est bien, mais c'est genre une des choses les plus faciles à acquérir du jeu, hein, que ce soit avec un mage, que ce soit avec un nombre d'armes absolument dingue. Bref, vraiment pas grand chose. Battre Costaltine n'apporte pas de bonus très intéressant. Voilà pour lui. Le deuxième seigneur dont le trait est quasiment inutile, en tout cas il est inutile la plupart du temps, eh bien il s'agit de Skrolk. Un Skrolk, si vous le battez, va vous donner une immunité à l'attrition dans les marais, ainsi que un moins 5 à l'ordre public de la province locale ennemie lorsque vous entrez dedans. Bon, on va être honnête, des marais sur la carte de Total War Warhammer 3, il y en a plus que sur la 2. Ça, il n'y a pas de problème, j'en ai compté une petite dizaine. Voilà, c'est une petite dizaine par rapport à tout le reste. Donc vous allez juste être immunisé à une petite usure qui en plus est plutôt facile à éviter avec la plupart des factions, en tout cas à l'heure actuelle. C'est pas facile de se prendre de l'usure si on n'a pas envie de se la prendre. Et le moins 5 à l'ordre public de la province ennemie, en général, l'IA, elle n'en a juste rien à battre. Puisque si vous jouez dans des niveaux de difficulté élevés, elle a des gros bonus d'ordre public. Et si vous jouez dans des bonus de difficulté bas, en général, vous allez arriver tellement vite sur sa province qu'il y a de fortes chances que vous lui ayez plié la gueule avant même qu'une rébellion ne pop. Donc, grosso modo, un bonus pas 100% inutile, mais on va dire à 98% peu utile. Voilà pourquoi il est dans cette liste. Nouvelle venue dans cette liste, j'ai longtemps hésité à la mettre dedans, mais je pense qu'elle doit en faire partie. Il s'agit de la haute reine Kalida. Alors, Kalida, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner un bonus de diplomatie avec les vampires. Vous aurez plus 30 de relations avec les contes vampires. Donc, c'est avec un seul type de faction dans le jeu. Un type de faction qui, pour l'instant, est assez fort, mais n'est pas non plus répandu absolument partout. Notamment, les vampires les plus proches de Kalida, en général, c'est Manfred. Et qui affronte en général Kalida se bat aussi avec Manfred. En tout cas, c'est très rare qu'il en soit autrement. Ensuite, vous avez la caravane des Roses Bleues, les Von Karstein. Bref, les vampires qui sont à proximité immédiate après sont plutôt lointains.
Vous avez l'armée argentée à la rigueur, mais bon, en général, comme Kalida leur pète la gueule à vitesse grand V, il y a peu de chances que vous fassiez ami-ami avec eux. Bref, c'est un bonus qui est extrêmement situationnel et peu facile à exploiter. Et le deuxième point, c'est qu'elle va donner un plus 2 au rang de recrutement de toutes les unités d'infanterie de tir. Alors ça, je dis, c'est bien. C'est bien, sauf que dans Total War Warhammer, on est quand même passé à un jeu qui a beaucoup de factions qui n'utilisent plus beaucoup le tir ou qui l'utilisent très peu. Et parmi les voisins qui peuvent accéder directement à Kalida, bah, vous avez un certain nombre de factions pour lesquelles les unités de tir sont ultra secondaires, voire complètement inexistantes. Hein. Je veux bien entendu parler par exemple de Scarbrand, hein, parce que bon, les unités de tir chez Khorne, à part les canons, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ensuite, vous allez pouvoir compter peut-être chez les hommes lézards, mais chez les hommes lézards, votre DPS, ça ne va pas être les unités de tir, ça va être donc extrêmement anecdotique. Si vous jouez les contes vampires, notamment Manfred, et que vous gagnez le plus 2 au rang de recrutement des unités de tir, bah super, vous allez pouvoir l'utiliser sur vos arbalétriers sylvaniens et vos arquebusiers, c'est-à-dire des unités que vous n'allez en général pas utiliser énormément. En tout cas, moi personnellement, je ne les utilise que très très peu. Bref, un bonus que je trouve relativement inutile, encore une fois, puisque dans le contexte dans lequel il s'inscrit, il est très difficile à faire fonctionner. Autre seigneur de cette liste, le terrible comte Noctilus. Alors attention, si vous battez Noctilus, vous avez des bonus de fou, hein, je vous préviens, vous n'êtes pas prêt. Plus 5 de commandement lorsque vous jouez contre la côte vampire, donc c'est un bonus qui ne se fait que contre une seule faction dans le jeu. Bon, pourquoi pas. De toute façon, la côte vampire, c'est pas non plus la faction que vous allez le plus croiser. En général, ils restent plutôt dans leur coin. Alors, à part Aranessa, qui arrive un petit peu à s'étendre ces derniers temps, le reste du temps, vous allez quasiment jamais les croiser. Et vous allez également récupérer un plus 5 de commandement lorsque vous battez en mer. Bon. 5 de commandement, ouais. Ça annule un petit peu en partie le malus de peur. Si en plus vous battez en mer contre la côte vampire, vous avez complètement annulé le malus de peur, ok, mais ça va pas tellement plus loin. Donc, en plus, il y a certaines armées qui provoquent déjà la peur avec toutes leurs unités qui sont très très peu sensibles. C'est un bonus vraiment extrêmement moyen, qui pour moi n'a absolument aucun intérêt. Bref, j'aimerais bien qu'il le retravaille. Attention, là on rentre dans du lourd, du très très lourd. Et je ne veux pas parler du poids de Durtu, hein, parce que le bestiau doit quand même peser facilement dans les 2-3 tonnes. Non, je veux parler du trait qu'il va donner si vous arrivez à le battre. Et ce trait, tenez-vous bien, hein, vous gagnez votre seigneur uniquement, hein, juste le seigneur, pas votre armée. Vous gagnez des attaques enflammées, mais uniquement quand vous jouez contre les elfes sylvains. Bref, un trait qui ne s'active que contre une seule race, encore une fois, qui en plus ne s'applique qu'au seigneur. Si c'était à toute l'armée, je dis pas, ça aurait une utilité, ce serait sympa. Mais là, non, 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 on n'affronte que les elfes sylvains, évidemment, dans le jeu. Donc ce trait va servir à mort. Non, c'est absolument n'importe quoi. Gagner des attaques enflammées, je l'ai déjà dit, c'est ultra facile. Mais en plus, si vous ne gagnez des attaques enflammées que contre un certain type de race, je rappelle qu'on est limité à 30 traits au total. Donc prendre un trait juste pour ça, c'est totalement stupide et complètement inutile les trois quarts du temps. On ne redira jamais assez, mais Albéric est un seigneur mal aimé des joueurs. Mais je comprends pourquoi il est mal aimé des joueurs. Hein. Bon, déjà, sa campagne a peut-être quelques petites lacunes, hein, mais ça c'est plus dû à la race qu'Albéric en lui-même. Mais le vrai problème d'Albéric, en fait, moi la chose qui me fout le plus en rogne, c'est le trait que l'on gagne lorsque l'on bat ce seigneur. On va gagner plus 15 d'attaque en mêlée. Waouh! Mais uniquement pendant les batailles navales. D'accord. Et seulement pour le seigneur. Ah ouais, en fait, c'est naze, quoi. Donc, voilà, un des traits à peu près les plus pourri que l'on puisse espérer dans le jeu, hein, en particulier si vous arrivez à battre Albéric avec un seigneur qui va pas forcément se battre au corps à corps, hein, on va dire à tout hasard un magicien qui vivrait dans le coin ou un certain seigneur chasseur archer qui va aller au corps à corps tous les 36-8 mois et qui va certainement faire très très peu de batailles navales. Bref, parmi les adversaires qu'il a directement contre lui, peut-être que la côte vampire avec Luthor Harkon peut en bénéficier, mais bon, je rappelle que Luthor Harkon, c'est avant tout un tireur à la base. En tout cas, il va
se battre principalement avec son pistolet la plupart du temps, tant qu'il n'a pas utilisé toutes ses munitions. Marcus, bah, je l'ai dit, hein, c'est un archer, donc déjà les batailles au corps à corps, normalement il n'est pas censé s'y trouver, mais en plus en mer, donc il y a assez peu de chances de l'utiliser. Gorok, son but c'est de conquérir l'industrie, il n'en a rien à foutre d'aller faire joujou dans la flotte. Bref, c'est un bonus qui va servir à absolument personne autour, sauf peut-être à la rigueur à Karsk. Encore un spot réservé au trait de gâcher lorsque vous battez Albéric. Et franchement, ça n'a aucun intérêt. Vous aimez les nains? Eh bien, tant mieux. La plupart des seigneurs nains offrent des traits qui ont une utilité, mais celui dont nous allons parler, évidemment, Grombrindal, son trait est absolument horrible. Que va-t-il donner? Eh bien, vous allez recevoir un magnifique Provoque la terreur contre les nains. Alors, Provoque la terreur contre les nains, regardons un petit peu les factions qui se trouvent autour de Grombrindal. Nous avons donc les rois des tombes. Donc la terreur, ils ont quelques monstres qui la font. Bah, les elfes noirs, on va dire avec notamment Malekith, monté par exemple sur un dragon noir. Nous allons avoir Torox. Oui, les hommes bêtes, c'est sûr, la terreur, forcément, ils n'ont pas forcément de quoi la faire. On va avoir quoi d'autre? On va avoir la queue de vampire. Waouh! Ou Valkia, le chaos, Khorne. Bref, en gros, toutes les factions qui se trouvent autour de Grombrindal provoquent déjà la terreur avec plusieurs unités. Et pourquoi gâcher un trait de seigneur, un trait qui est limité, hein, encore une fois, et on peut en avoir que 30 au maximum, pour récupérer bah, ce trait qui provoque la terreur, et en plus uniquement contre les nains. C'est-à-dire que non, vous n'allez pas provoquer la terreur contre les hommes bêtes, là ce serait un petit peu utile, vous n'allez pas provoquer la terreur contre les morts-vivants parce qu'ils n'en ont rien à foutre, ils sont immunisés à la psychologie, vous n'allez pas provoquer la terreur contre les démons parce que bah, les démons, curieusement, les trucs terrifiants, ils en ont un petit peu rien à foutre. Bref, c'est un trait absolument inutile et encore une fois, j'aimerais bien qu'il change ce trait parce que Grombrindal, plus il n'est pas toujours facile à battre, ce serait bien d'avoir quelque chose qui nous permettrait bah, de profiter d'un trait un petit peu sympathique lorsque l'on va affronter ce nain qui non seulement est très très chiant à affronter, mais en plus va avoir cette capacité particulière qu'a Grombrindal à revenir à chaque fois qu'il est tué au tour suivant. Donc si vous jouez plusieurs généraux, vous allez vous retrouver avec plusieurs généraux qui vont avoir ce trait, alors qu'ils en ont pas forcément envie. Bref, un trait que je déteste. Il faut absolument qu'il change le trait récupéré lorsque l'on bat au Grombrindal. Voilà pour les nains. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur les traits inutiles des seigneurs. Alors, évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. Dites-le en commentaire. Je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur le trait, par exemple, de Kalida, qui est plutôt pas trop mal chez les nains. Mais bon, pour le reste des voisins qui l'entourent, moi je le trouve absolument nullissime. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis je vous dis à très bientôt.